Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Call of Pony en compagnie de votre fidèle et dévoué serviteur Rainbow Dash. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de Alien Colonial Marines. Alors on en était arrivé, donc on avait quitté le nid des aliens. On est arrivé, on devait s'extraire par un vaisseau, mais on s'est fait attaquer par des soldats mercenaires de la Vellon Yutani qui apparemment ne veulent pas qu'on soit au courant de ce qui se passe sur l'USS Sulaco, donc ils ont décidé de nous supprimer. Et ensuite nous avons pu assister à la destruction de notre vaisseau, donc le vaisseau des Marines. Et donc là on doit s'échapper de l'USS Sulaco qui est sur le point d'exploser, donc allons-y. Peut-être mettre le radar parce que je ne vois pas la lumière parce que je ne vois pas grand chose. Oula. Ça va aller. Voilà. Et bah dis donc, ça commence bien, n'est-ce pas? Alors allons-y. Donc par là il n'y a rien. Non, faut pas rentrer là-dedans quand même. Et bah si. Je déteste les endroits comme ça. Sincèrement, je me sens pas très à l'aise là. On va pas trop s'éloigner, les amis. Allez. Alors. Ah, on a tout récupéré. Tant mieux. Je sais pas combien de temps on va pouvoir repousser les militaires privés. Dès que ces mercenaires nous mettent en danger, on vous abandonne ici. On se bouge aussi vite qu'on peut, chef. Il y a des parasites partout sur le vaisseau. Waouh. Là, faut vraiment faire très attention, les amis. Hop, on va sauter. Voilà, on arrive en bas. Voilà, on va ramasser les balles de pompe. Hop. On va se dépêcher un petit peu. Ah, c'est impressionnant quand même. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est un alien normal ou c'est un rôdeur? Je sais pas. Enfin, c'est normal ou un rôdeur? Oula, j'aime pas ça. Ok, on se fait attaquer. Derrière, devant. Devant. Putain, vite, on va sauter. Allez, on va s'en aller d'ici, vite. Voilà. On va fermer la porte derrière nous. Alors, je ne peux pas, de toute façon, ça sert à rien. Waouh! Dégagez! Ouf. Allons, on se dépêche. Il y a du mouvement derrière moi. Ouais, bon, on s'en fiche. Allez, go. Waouh. Allez, on va se dépêcher. J'ai pas envie de mourir. Bon, en tout cas, j'espère que le jeu vous plaît autant que moi et que vous prenez plaisir à le suivre à mes côtés. Moi, sachez que je suis très content de le refaire avec vous. Vraiment, je suis même enchanté de le refaire et de faire partager ce jeu avec des personnes. Alors ça, là, ce qu'on voit en face, c'est l'épave de notre ancien vaisseau, donc le vaisseau des Marines. Voilà. Allez, go. Tiens, d'ailleurs, on n'était pas dans ce couloir-là dans la mission d'avant. Vous vous souvenez, là, on s'est fait harceler. Ah, je pense que si. Hein. Bon, allez, go. Arrêtons de parler. Waouh! Oh putain. Foiré. Alors là, si vous croyez que je vous ai pas vu, vous courez complètement. Là-bas, il y a des Marines. On va les laisser s'affronter entre eux un petit peu. Voilà. Ok, déjà, il y en a qui sont morts. Allez, on y va. Ouais, à l'assaut. Allez, venez. Venez me titiller. Saloperie, xénomorphe, allez, venez ici. Merde, ils sont venus. Allez, on les repousse. Voilà le double, ça c'est beau ça. Voilà, magnifique. Allez, on continue. Oh, munitions, casque, parfait tout ça. Allez, go. Waouh. Ah, ça pète de partout. Oula, y a un appel d'air. Là, il y a un ascenseur. Bah, faut aller par où, là?
c'est quoi ce bordel? Là c'est fermé. Ah, il y a l'ascenseur qui arrive. Putain. Allez go. Allez venez vous deux. Bella. Allez viens. Hop 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 hop. Voilà, parce que j'ai pas envie de partir sans mes collègues, ils sont toujours utiles. Et s'ils savent pas tirer, bah au moins ils servent d'appât. Donc ça sert toujours. Allez, c'est parti. Point de contrôle à temps. Oh putain. Oh non, pas cette salle. Alors là, cette salle est super dure, les amis. Je ne vous garantis pas d'y arriver du premier coup. Allez, ouais, j'ai déjà presque d'armure. Voilà, j'ai plus d'armure. Merci. Génial. Alors, faut activer l'armement de la porte. Mais putain. Ok, il y a un tir qui m'a... Parce que dès qu'on se fait toucher, ça annule notre piratage. Donc, allez, allez, un peu de courage. Ici, il y a une trousse de soins, on s'en souviendra au cas où. Voilà, toi, ta gueule. Bah tiens, il y en a une deuxième. Allez, les amis, on prend son courage à deux mains. Et boum! Voilà, voilà, tiens. Il veut pas mourir, hein, ce con. Allez! Voilà! Là. Oh merde. Y a pas de chemin vers l'autre charge. Ok, bon bah du coup faut aller de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ouh. Un enfoiré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Ah d'accord, je l'ai pas vu. Bon bah tant pis hein. Bon bah deuxième mort. Oh je l'ai même pas vu. Oh, je suis dégoûté. On était bien parti là. On allait peut-être réussir du premier coup. Parce que pour la dernière fois, ce passage, j'ai fait au moins, allez, sans exagérer, 5-6 essais. Ah, mais oh, je suis dégoûté. Putain, j'avais complètement oublié qu'il était là, lui, ce salopard. Oh la vache. En tout cas, il nous a détruit, mais en deux temps, trois mouvements. Hein. Allez, go. Là, on va pas refaire la même erreur. Maintenant, on sait qu'il est là, ce con. On va pas refaire la même connerie. Il y a des moments où je me fais toucher, mais je sais même pas d'où ça vient, quoi. C'est chiant. Putain. Dégage-toi. Voilà. Il croit quoi, lui? Il est fou, quoi. Allez. Là, on sait ce qui va se passer. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire les gros connards. On va utiliser le lance-grenade. Voilà, boum. Allez. Allez, mais bien sûr. Allez, bah oui. Putain, j'hallucine. Donc là, normalement, il va y avoir le gros. Putain, mais putain. C'est pas vrai, c'est quoi cette blague? Voilà. On aurait dû faire ça dès le début, hein, les amis. Alors, est-ce qu'il y a une trousse de soins? Oui, il y a une trousse de soins, ça c'est cool. Mais je préférerais avoir une armure là quand même. Hier, yeah, une armure complète. Ça c'est cool. Bon, allez hop, on va utiliser le clavier pendant que Bella et O'Neill le couvrent. Voilà. Alors là. Ah, regardez, les containers se déplacent. Normalement, ça va libérer un chemin qui est là-bas. En tout cas, la phase d'action, elle aura été assez longue. Ouais, regardez, ça va libérer un chemin. Pour l'instant, je reste un peu caché parce que j'ai pas trop envie de m'en prendre plein la gueule. Et dès que le chemin sera en place, on va y aller. C'est bon, c'est parti, on y va. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, allez, let's go. Hop, allez, on saute, on avance. On arme. Et on va se casser d'ici, les amis. Bien compris, Winter. Attachez-vous qu'on foute le camp. Ouais, on se casse, allez, on rentre dans le vaisseau. Et voilà.
Ouh. Eh ben. Oula. Les moteurs tournent. On est dans les tuyaux 5 sur. Allez, vite, 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 attends, 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 attends. Wow. Sortez-nous de là! Vous allez fermer vos gueules, oui? Ah, on a été percuté. Eh ben dites-moi, c'était du sport, hein. Youpi. Mission suivante. Allez, on continue. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder? Bon, alors... Ah. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, ah, ah. En vous réveillant avec le xénomorphe sur le visage. Je vous l'avais dit, les gars, il était mort. J'en suis absolument sûr. Son aspect extérieur ressemblait-il à des os de couleur blanche, comme une araignée avec une queue? Oh. Ouais, j'ai un peu mal à la gorge. Révélation? J'ai rien. Bella, vous allez mourir. Allez, cache. C'est arrivé à qui, ça? Combien de temps? Un jour. Plus. Tu vas mourir. Oh, quel dommage. J'ai pas d'armes, là. Je vais dégueuler. Très classe. Allons-y. Oh, vous avez vu, lui, il a une jambe... Une prothèse. Oh, c'est énorme. J'avais jamais remarqué. Nos ondes radio sont trop courtes pour fonctionner. On doit trouver un moyen de regrouper ceux qui ont fui le sous-la-cour. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le processeur atmosphérique qui a explosé comme une bombe de 40 mégatonnes. Ça donne pas beaucoup d'espoir. C'est tout ce qu'on sait. Allez. Et oui, les amis, vous l'avez compris, on se retrouve sur la planète du film Aliens. Avec juste en face le bâtiment qu'ils ont fait exploser dans le film avec les charges. Voilà. Donc là, on est vraiment au cœur du film. Ah oui, petit détail, l'espèce de grain que vous voyez à l'image... Oh, regardez-moi ça, la pluie et tout. L'espèce de grain que vous voyez à l'image, c'est moi qui l'ai rajouté, en fait c'est dans les options, ça permet de rajouter un petit côté film au jeu. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plus sympa pour l'immersion et tout. En tout cas, vous voyez vraiment la refonte graphique. Ah, ils ont vraiment fait du bon boulot, quoi, avec les éclairs, la pluie, la fumée, c'est vraiment, mais vraiment très joli, quoi. Bon, notre lampe torche ne sert pas à grand chose, mais bon, on va la laisser allumer quand même. Alors, je pense qu'on va voir les espèces de véhicules que Ripley utilise dans le film pour aller libérer les Marines qui sont enfermés dans le... Ok, c'était une flaque d'eau. Qui était enfermé dans le nid des Xenos. Attendez, je crois qu'elle est un peu plus loin. Waouh. Chef, okay. Qu'est-ce que vous savez sur les marines qu'on a envoyées ici il y a 17 semaines? Tenez, regardez. Pas plus que vous. C'était deux escouades accompagnées d'un employé de la Welland et d'une civile. Les seuls à avoir... Alors ça, c'est un véhicule blindé des marines et dans le film, en fait, Ripley s'en sert pour aller sauver les marines qui sont enfermés dans le nid des xénomorphes. Alors que le supérieur hiérarchique ne veut pas. Enfin bref, voilà. Donc, bon, vous me direz en même temps, c'est la suite... C'est la suite du film Aliens, donc s'il n'y a pas ces véhicules-là, etc., bah, le jeu serait sans intérêt. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ce truc-là aussi, je suis désolé si je vous spoil le film Aliens, mais en même temps, j'ai envie de dire, si vous avez pas vu Aliens, bah, vous avez un petit peu raté votre vie, hein, les gens. Mais bon, il n'est jamais trop tard, franchement, allez le voir, même la saga, les 4 Aliens, chacun a vraiment un intérêt, ils sont géniaux. Bon, allez, continuons. Alors ça, c'est la station, donc, du film. Je veux pas rester dans les parages pour voir ce que c'était. Bon, on va ouvrir la porte. On dirait peut-être pas, mais Adlai's Hope pourrait bien être notre dernier espoir de survie. On peut mettre en place une salle des opérations.
Voilà. Et voilà. Nous voici donc dans la colonie. On a plus d'une centaine de soldats à rassembler. Franchement, l'ambiance là-dedans n'est-elle pas oppressante? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais un autre petit détail que j'adore dans ce jeu, c'est que vraiment on change de phase, on passe de action à un moment de stress, d'oppression, de silence, comme ce moment-là, je trouve ça vraiment génial. Là, vraiment, là, c'est l'ambiance alien, mais à 200%, quoi, j'adore. Allons-y. Alors, ouais, là, c'est un journal audio que j'avais déjà récupéré, je vais vous laisser apprécier. Pourquoi celui-là? Vous allez tout de suite comprendre. Maman, c'est Anne. Je sais que je t'ai dit que je te demanderais plus d'argent, mais je dois... On doit rentrer. Et la société refuse de payer une navette. C'est Russ. On a trouvé un... Je pensais que ce truc l'avait tué, mais c'est mort, comme ça. Il lui dit qu'il va bien, mais il y a un truc qui cloche. Maman, ça va? Papa attend dans la cafétéria. Ok, Newt, attends un peu, chérie. Je te rappellerai, maman. Et oui, encore un énorme clin d'œil pour les fans. Newt. C'était la mère de Newt qui était en train de parler, donc Newt, la petite fille du film. Énorme, hein? Ça valait le détour. Bon, allez, go. Oh, des mouvements. 6 mètres, 5 mètres. Ok, d'accord, c'est juste le bout de tissu. Génial, merci. Merci, super. Ridicule. Putain. On va continuer notre route. Ne donne pas de faux espoirs. Ouvrez-moi cette porte au chalumeau. Vos ordres. Ah, je suis content qu'on soit enfin arrivé sur la planète parce que c'est là vraiment que le jeu va commencer. Là vraiment, autant dans les vaisseaux c'était déjà pas mal, mais là vraiment le jeu va commencer à prendre toute son ampleur. Oh, il y a une mort. Il y a rien ici. Chercher comment alimenter la table avec le terminal. Franchement, ce genre de vue, ça en jette. Bon allez, on va aller activer le courant. Voilà, est-ce qu'il y a une armure dans le coin? Parce que j'ai plus d'armure là, je viens de remarquer ça. Il y en a pas. Tant pis. Bon allez, ramenez vos culs. Bishop et moi, on va se poser ici pour analyser les systèmes qui peuvent encore démarrer. Bella et Reed vont foncer vers la tour de communication pour établir un lien avec tous nos hommes. Appelez-les, ramenez-les. Ok, chef, à vos ordres. Je pourrais les prendre. La ferme, Boulet. Vous et Winter. Boulet. Super comme surnom. De mouvement pour qu'on puisse surveiller d'ici. Tout de suite, chef. Allez, place les capteurs pour établir un périmètre. Go. Salut Boulet. Il m'a pas appelé gros Boulet, chef. Si, si. Affirmative, Boulet. Occupons-nous de ces capteurs. En même temps, O'Neill, j'ai envie de dire, t'as un petit peu une tête de Boulet, hein. C'est pour tous nous protéger, et pas que Bella. Oh, des munitions, je les avais même pas vues. Heureusement que j'ai regardé. Allez, go. Donc là, capteur, numéro 1. Enclenché. Plus que 5. Bishop, 4. Oh la vache. Est en place, à vous. Compris, Winter. Premier capteur il en reste place. Encore 4. Ok. Deuxième capteur en fonctionnement. Ok, le deuxième capteur vient d'être activé. Un petit peu. Affirmative 3-3, vous pouvez poursuivre. Alors là, il n'y a rien. Par ici. Il n'y a rien du tout. Est-ce que j'ai tout ramassé? Oui, j'ai tout ramassé ici. C'est quoi ça? Ah bah c'est le capteur que j'ai mis. Je suis con. Oh. Oh. Il dirait que quelqu'un a livré une putain de dernière bataille. Les armes sont vides. Vous reconnaissez? Eh oui. Comme dans les films, il y en a une qui est vide et l'autre où il reste juste 10 balles. Héhé, autre gros clin d'œil. Alors par ici, là il y a un capteur, mais on va d'abord aller voir dans cette pièce. Ouais, là-bas il y en a un. Oh, je pense qu'il y en a un ici aussi. Oh. Oh, alors là, mes amis, je sais pas si vous reconnaissez. Bishop, il devrait y avoir l'image du capteur 3, à vous. Regardez, des facehuggers dans des capsules.
Là, un lit retourné. Vous reconnaissez? Eh oui, les amis, c'est le passage du film où il y a Ripley et Newt qui dorment sur le lit. Et il y a un facehugger qui arrive à s'échapper. Et du coup, il se retrouve enfermé dans cette salle avec le facehugger. Donc là, on est dans une salle du film. Pas mal, hein? Alors. Donc le capteur qu'elle a, on l'a enclenché. Il nous en reste deux. Je déteste les trucs comme ça où il faut chercher les capteurs à enclencher. J'ai horreur de ça. Bon, là, il y en a un. Allez, quatrième capteur. Enclenché. Et le dernier. Oh, Bishop, le capteur 4 a l'air de fonctionner normalement. Affirmatif, Winter. Encore un dernier. Le dernier devrait être dans le coin normalement. Ah, le voilà. Allez, go. On l'enclenche et c'est parti. Cinquième détecteur enclenché. Et voilà. Appel au commandant. Les 5 capteurs sont opérationnels. Vous devriez avoir un périmètre. Dites-nous si tout fonctionne. À vous. Ok, 3-3. D'ici, le périmètre semble correct. Et merde. Qu'est-ce qui se passe encore? J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Surtention. Winter et O'Neill, le capteur de la morgue vient de se couper. Trouvez-en la raison et retournez à la salle des opérations. Terminé. À vos ordres. J'aime pas trop ça, mais bon. Capteur de la morgue. C'est celui-là? Ah ok, bon, on était déjà dedans, parce que c'était le dernier. Ben voilà. Winter, O'Neill, votre emplacement n'est plus sûr. Ramenez vos culs aux opérations, tout de suite. Bon, eh bien les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette quatrième partie de Alien Colonial Marines. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, combattez pour Ponyland. Allez, à la prochaine dans une autre vidéo.